24 mètres de long et 38 tonnes, c'est la dimension de cette passerelle. Installée au-dessus des voies de la gare de Gisors, elle va sécuriser le passage des voyageurs. Actuellement, les usagers de la gare de Gisors empruntent des voies piétonnes, donc traversent les quais, ainsi que les voies pour pouvoir accéder à leur train. Le fait d'augmenter donc la fréquence des trains fait qu'on est obligé de mettre en place cette passerelle. Cette passerelle fait en effet partie d'un chantier colossal lancé fin 2017. Il est prévu sur 3 ans avec une aide financière de 246 millions d'euros. Un investissement de l'État, la région et l'Union européenne. L'objectif est de moderniser la ligne Serqueux-Gisors et booster le fret ferroviaire. On a les objets principaux du projet qui sont l'électrification de la ligne, donc les 2 x 50 km de voie, la création d'un raccordement ferroviaire à Serqueux qui évite une manœuvre au train fret et de perdre du temps en gare de Serqueux, et la modernisation de la ligne, donc la signalisation et la télécommunication. Le chantier prévoit la pose de 2600 poteaux électriques, la fermeture de 9 passages à niveau et la création de 15 ouvrages d'art, soit des ponts-rails ou des ponts-routes. Pour l'instant, les travaux sont avancés aux 2/3. Prochaine étape, le chantier acoustique au mois de septembre. Les ouvriers vont installer plus de 10 km de panneaux anti-bruit le long des voies.